Aujourd'hui, je vous parle du plantain lancéolé et je vous propose d'utiliser vos sens pour le reconnaître. D'abord la vue. Les feuilles sont disposées en rosette, c'est-à-dire en cercle. Elles ont la forme d'un fer de lance. C'est ça qui a donné le nom au plantain, plantain lancéolé, comme la lance. Les feuilles ont des nervures parallèles. Au centre de la rosette, on peut observer les hampes florales. Elles sont hautes, avec des inflorescences en forme d'épi. Ensuite, le toucher. On touche les feuilles pour s'assurer que les nervures sont bien saillantes, c'est-à-dire qu'on les sent bien au toucher, et qu'elles sont bien parallèles. Elles continuent sur le pétiole. C'est ça qui nous montre qu'elles sont bien parallèles. Les feuilles sont épaisses, coriaces, et quand on les déchire, ça laisse des fils à la découpe. Ensuite, l'odorat. On froisse une feuille pour la sentir. Elle dégage une odeur de champignons et de fond des bois, une odeur vraiment singulière. Si tous les critères concordent, vous pouvez le goûter. Sans l'ingérer, juste pour avoir le goût. Il faut que ce soit très légèrement astringent, très clairement amer et à la fin, comme un petit goût de champignon. La plante est entièrement comestible, crue et cuite. On cuisine avec ses feuilles, avec ses inflorescences en boutons. Mais on peut aussi consommer ses graines. Le plantain développe au printemps son inflorescence en boutons, puis ses fleurs, ses étamines blanches. À la fin de l'été, la plante est en graines. Cette plante est très répandue. On l'appelle aussi l'herbe aux cinq coutures. Et il y a quelque chose dans le plantain qui est toujours par cinq. C'est la section de sa hampe florale. Elle est striée et du coup elle est en forme d'étoile à cinq branches. Sa cousine, le grand plantain, est également très répandue, mais elle est différente visuellement. Ses feuilles sont plus arrondies, plus grandes, sa hampe florale n'est pas striée et monte moins haut. Mais l'épi lui-même est plus allongé. Comme le plantain lancéolé, le grand plantain a des feuilles coriaces et des nervures parallèles. Il a la même odeur, il a le même goût, il s'utilise exactement de la même façon. Même vertu, même comestibilité. Plus encore que le plantain lancéolé, on trouve le grand plantain dans des endroits piétinés et des sols tassés. Les plantains ont des vertus, notamment des vertus anti-allergiques et aussi anti-inflammatoires des voies respiratoires. Donc on l'utilise pour les maux de gorge, les gorges irritées et aussi pour la toux. On en fait du sirop notamment. La plante, elle est plus efficace fraîche. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser en cuisine et on peut aussi en faire des décoctions de plantes fraîches. Le plantain a une seconde vertu thérapeutique, c'est qu'il est cicatrisant et apaisant pour la peau. Donc on l'utilise en cas de dégratignure, de petites blessures, mais aussi de piqûres d'insectes et de piqûres d'ortie par exemple, ou même d'eczéma. Il est à la fois cicatrisant, à la fois hémostatique, c'est-à-dire qu'il arrête le sang, et à la fois apaisant. Donc il apaise aussi les démangeaisons, etc. Il suffit d'en extraire le jus d'une feuille et de le mettre en contact avec la blessure ou la piqûre. Le plantain s'ajoute aux salades quasiment toute l'année. Vous pouvez aussi l'associer cuit à d'autres légumes. Pour recette, je vous propose un pesto de plantain. Avec 100 g de feuilles de plantain, 50 g de noix, une gousse d'ail, un demi-citron, une pincée de sel, un peu d'huile d'olive et une cuillère de pâte de sésame. Mais ça, c'est facultatif. J'utilise des noix qui se marient bien avec le plantain. Mais on peut utiliser n'importe quel oléagineux. Des noisettes ou des amandes, par exemple. Je mixe tous les ingrédients au mixeur par souci de simplicité. On peut aussi faire autrement, hacher finement les feuilles au couteau. On peut aussi mixer plus longtemps pour un résultat plus homogène. Voilà, n'hésitez pas à écrire des commentaires si vous avez des informations à ajouter ou à rectifier. Très bon.